Voici l'histoire d'une petite chatte nommée Neige. Neige est toute blanche. Elle habite tout en haut d'un grand immeuble avec sa maîtresse, une petite fille nommée Miette. Son bonheur serait sans ombre si parfois Miette l'autorisait à courir les toits avec cric, crac et croc, les chats de gouttière dont les exploits mettent en émoi tout le quartier. Un jour... Les gars, vous avez vu les belles sardines chez Madame Bigoudi? Des sardines? Oh, j'aime ça. Il faut s'en emparer. Toi, Croc, tu attaqueras de front. Madame Bigoudi te verra et te pourchassera. Mais... À ce moment-là, toi, Cric, tu te laisseras tomber de la gouttière qui surplombe la poissonnerie. Et toi? Et toi, qu'est-ce que tu feras? Moi, je commande. Donc, je conçois. Qui plus est, je reste dans la gouttière. Cric m'enverra des sardines que je mettrai en sûreté. Oh. Tu te débrouilles toujours pour ne courir aucun risque. Aucun risque. Répète un peu pour voir. Allons, messieurs, du calme. Tu as raison. Et maintenant, à la sardine! Pendant que les sacs à puces préparent leur mauvais coup, Miette arrive chez la marchande de poissons. Mademoiselle Miette, qu'est-ce que ce sera? Je voudrais une belle sardine pour ma chatte. Une sardine, elle en a de la veine. Une sardine, t'as entendu, Crac? Oui. Elle n'a pas besoin de les voler. Oui, peut-être. Mais aussi, elle n'en aura qu'une. Tandis que nous, nous n'aurons peut-être que des coups de balai. Enfin, je parle pour Croc et moi, parce que toi... Silence! Croc est devant la poissonnerie. Il avance. Madame Bigoudi ne le voit pas. Oh! Ah! Oh! Enfin, ça y est, à toi! Oh, le village! Encore un de ces maudits sacs à puce. Veux-tu te sauver, voleur? Mon balai, où est mon balai? Il me faut mon balai. Où est mon balai? Ne quittant pas Croc des yeux, Miette et Madame Bigoudi ne voient pas Cric qui se laisse glisser le long de la gouttière. Tiens, je te tiens, méchant chat. Tiens. Tu veux Madame Bigoudi? Regardez. Quoi? Madame Bigoudi lâche Croc, qui s'enfuit sans demander son reste, pendant que Cric, se voyant découvert, l'imite en toute hâte. Il a eu juste le temps d'envoyer une sardine que Crac a dévorée goulûment. Oh, Mademoiselle Miette, sans vous, il m'aurait tout volé. Oh. Oh, tenez, prenez ces deux sardines pour votre petite Neige, tenez. Merci. Prenez ces deux sardines pour votre petite Neige. Oh, décidément, tout est pour elle. Ah, te voilà, toi, maladroit. Il a encore fallu que tu te fasses remarquer. C'est pas de ma faute. Ne discute pas. Où est la sardine? La sardine, quelle sardine? Celle que j'ai envoyée. Tu as envoyé une sardine, toi? Oui. Et je l'ai reçue? Oui. Tiens. Alors c'est que je l'ai mangé. Tu as mangé la sardine, notre seule sardine. Oh, Crac. Tu voulais peut-être que je te la réserve en récompense de ta maladresse, hein? Oh là là, mes reins, mes pauvres reins. Te voilà. Oui, c'est moi. J'ai faim. Où sont les sardines? Quelles sardines? Ciel, j'ai encore pris une raclée pour rien. Oh là là, que j'ai mal. J'ai encore plus mal. Notre échec est dû à cette petite pécore de Miette. Nous devons nous venger. Nous venger? Comment? J'ai un plan. Encore? Oui. Il faut que nous amenions Neige à sortir de chez elle. Comment faire? Rien de plus simple. Elle est naïve, nous lui raconterons des histoires, elle nous croira, nous suivra, et nous l'emmènerons loin de chez elle. Nous l'y abandonnerons et elle sera perdue. Neige? Pourquoi vous attaquez à Neige? Elle est si gentille. Ah, personne ne te demande ton avis, toi. Oui. Hein? Toi, tais-toi. Désolée. Oh, ne te désole pas. Je suis bien heureuse de te voir. J'adore les visites. Viens jouer avec nous. Oh non. Miette ne veut pas. Elle dit que vous êtes des voyous. Les sacs à puces, des voyous. Oh. Oh. Mais de toute manière, ça n'a aucune importance. Je ne sais pas ce que c'est, un voyou. Alors, viens jouer avec nous. Oh non. Ça, je sais que c'est défendu. Défendu. Tu n'as que ce mot-là à la bouche. Oh, ma pauvre Neige, comme je te plains. Ta vie ne doit pas être drôle. Mais je suis très heureuse. Tu ignores ce qu'est le bonheur. Tiens, par exemple, dis-moi ce que tu as mangé ce matin. Deux sardines. Deux sardines. Oh. Deux sardines.
Il y a beau temps que les sacs à puces ne veulent plus de sardines. D'abord, c'est petit. Oh. Ensuite, il y a une arête. Une arête. Que mangez-vous donc? Des saucisses. Des jambons. Entier? Cette question. Mais bien sûr, entier. Le lendemain et les jours suivants, les sacs à puces revinrent. À chaque visite, ils vantaient à Neige les mérites et les joies de leur vie. Tant et si bien que Neige finit par ne plus se croire heureuse. Et... Oh, vous avez bien de la chance. Mais viens avec nous. Si ça ne me plaît pas vraiment, je pourrais revenir? Bien sûr. Oh, je viendrai bien. Mais Miette... Oh, Miette, cette cruelle qui te nourrit de sardines. Tu as raison. Ah. Je viens avec vous. Neige n'est guère à son aise sur le fait abrupt des toits. Cric et Crac, loin de l'aider, se moquent d'elle. Seul Croc l'entoure de soins et d'attention. C'est encore loin. Je suis fatiguée. Je mangerai bien une saucisse. Une saucisse? Elle veut une saucisse. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Rien, non. Rien. Oh, je vous assure que j'ai faim. Je suis prête à me contenter d'une sardine. Moi aussi. Ah, tais-toi, Croc. Rassure-toi, Neige. Nous arrivons. Tu vois cette maison là-bas? Oui. Eh bien, c'est là. Ah, je suis bien contente. Elle le sera moins tout à l'heure. Donc, tais-toi, idiot. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Croc, prends garde à tes oreilles. Nous y voilà. J'espère que tu n'es pas trop fatiguée. Non. Entre, ma belle. Entre. Je n'y vois rien. Il fait tout noir. Où est-ce? Avance encore un peu. Là, derrière cette porte, tu vas voir. À peine Neige s'est-elle glissée derrière la porte que celle-ci se referme sur elle. Vous êtes méchant, ouvrez-lui. Laisse-nous rire. C'est trop drôle. Quand lui ouvrirez-vous? Jamais. Il fait froid. Comme il fait noir. J'ai peur. Où suis-je? Je n'ai jamais rien vu de semblable. Serait-ce une cave? Cet endroit terrible où Miette menaçait de m'enfermer quand je n'avais pas sage? Oh, voyons, il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Oh, puis j'ai faim. Oh, Miette, comme je suis punie de mon ingratitude. Non, pas moyen. Aucune issue. Oh, je suis bien enfermée. Et jamais je ne sortirai vivant. Je suis ici. Je suis ici. Ici. Elle ne m'a pas entendue. Tout est perdu. Sur la porte, moi je ne peux pas tirer. Ah. Oh.
Je vais tirer et leur monter vers le soupirail. Non. Non, tu es trop maladroit. Tu me laisserais tomber. Puis ton panier est sale. Neige, sois raisonnable. Je te promets de faire attention. Oh, je n'ai pas confiance en toi. Tant pis. Moi qui voulais le sauver, je m'en vais. Imbécile! Il est bien capable de faire ce qu'il dit. Croc! Reviens, Croc. J'accepte. Je suis heureux, Neige. Monte vite en panier, car si Grig et Crac se réveillent, ils vont venir, et comme ils sont plus forts que moi, ils me mangeront les oreilles. Qu'as-tu attendu pour tirer, bavard? Surtout, ne lâche pas. Hé là, doucement. Plus doucement, te dis-je. Pendant ce temps, au repère des sacs à puces... Allons, l'avenir appartient au chat qui se lève tôt. Et d'après la lune, il est l'heure de se lever pour aller chercher notre pitance dans les poubelles. Cric, Croc, allez, debout paresseux, allons. Mais, 1 000 000 000 de souris farcies. Mais où est passé Croc? Hein? À quoi? Vite. Que se passe-t-il? Croc est parti. Il va revenir. Mais après avoir ouvert la porte à Neige. Oh, le traître. Trouvons-le. Nous lui mangeons les oreilles. Ça nous fera toujours un déjeuner. Après bien des efforts, Croc a réussi à hisser Neige hors de la cave. Et avec les ailes que donne la peur, tous deux se hâtent vers la maison de Miette. C'est encore loin. Nous y sommes presque. Là, tu vois, juste après ce croisement. Oh, enfin. J'espère maintenant que Miette voudra encore de moi. Nous y voilà. Oh. Au revoir, Neige. Et toi, Croc? Que vas-tu devenir? Je ne sais pas. Je vais partir loin. Sans quoi les sacs à puces me mangeront les oreilles. Et si tu venais avec moi? Venir avec toi? Et Miette? Oh, je suis sûre qu'elle voudra bien. Mais tu disais que... Oh, c'était pour me rendre intéressante. Tu ne connais rien aux filles, mon pauvre Croc. Mais moi, je connais Miette. À l'autre bout de la rue. Regarde, Crac. Quoi? Neige qui rentre chez elle. Oh. Et Croc qui la suit. Elle nous échappe. Mais lui ne perd rien pour attendre. Postons-nous de chaque côté de la porte. Et Croc ne tardera pas à nous revenir enrichi de quelques bons coups de balai. Et alors, à nous les oreilles de ce traître. Crac et Cric attendirent longtemps en vain. Croc n'est jamais redescendu. Il vit heureux chez Miette, qui maintenant achète 4 sardines chez Madame Bigoudi.